Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à débloquer la carte de visite en clume qui est de s'exfiltrer en utilisant que des armes de corps à corps. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille de vous créer une classe au couteau. Donc il faudra que vous soyez niveau 55 ou 50 pour pouvoir débloquer cette arme. Donc dès que vous avez cette arme, je vous conseille de vous équiper du spécialiste camouflage des terres. Ou alors vous pouvez prendre le spécialiste de soins, mais moi j'utilise le spécialiste camouflage des terres. Alors ensuite, quand vous lancez la partie, bah vous faites des kills au couteau. Alors ce que vous n'avez pas le droit d'utiliser, c'est tout simplement tout ce qui fait des dégâts, donc toutes les armes, toutes les grenades, et n'utilisez surtout pas des grenades paralysantes parce que ça inflige des dégâts aussi. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Melo Caribou, je mettrai sa chaîne en description, parce que tout simplement je me suis servi de sa vidéo pour faire la mienne. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de vous équiper de masto, de courir vite, et de quick revive. Donc essayez de choper les trois atouts au plus vite. Ensuite, ce que vous ne devez surtout pas faire, c'est allumer l'électricité, sinon vous allez avoir des mégatons dans votre partie et ça va compliquer la tâche. Alors si jamais vous perdez votre auto-réanimation, n'oubliez pas que vous pouvez aller en racheter une à la table de craft au spawn. Il vous faudra 250 matériaux supérieurs pour pouvoir l'acheter. Et petite information supplémentaire, si vous voyez une bombe nucléaire en bonus, n'hésitez pas à la prendre, ça ne gâchera pas votre défi. Alors l'objectif de ce défi, c'est de s'exfiltrer. Et pour s'exfiltrer, il faudra atteindre la manche 11. À la manche 11, vous allez pouvoir appeler l'hélico d'exfiltration. Et là, vous allez devoir tuer 33 zombies, plus ou moins, je crois, pour pouvoir vous exfiltrer. Mais là, vous allez vraiment être surchargé de zombies. Donc, ils vont venir en masse, en masse, en masse. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des leurres. Donc, c'est des grenades leurres que vous pouvez acheter aussi au spawn à la table de craft. Donc, prenez ces grenades leurres et dès que les zombies approchent, là, vous lancez un leurre par terre et vous essayez de tuer les chiens en premier lieu. Ensuite, vous lancez votre deuxième leurre et vous essayez de tuer un maximum de zombies. Ensuite, vous lancez votre troisième leurre, vous essayez de tuer un maximum de zombies. Et là, vous activez votre spécialiste couverture des terres pour justement essayer de tuer encore un maximum de zombies. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous essayez de tuer les zombies restants en marchant en arrière, bien entendu, et en foutant des coups de cut, cut, cut. Donc, vous avez un certain laps de temps pour tuer tous les zombies. Donc, ne traînez pas. Et quand vous aurez tué tous les zombies, vous pourrez vous exfiltrer et vous gagnerez la carte d'agent, l'enclume. Alors très important, moi je vous conseille de le faire en solo, mais si vous le faites à plusieurs, faites-le à 4 directement, parce que si vous êtes à 2, vous avez le même nombre de zombies que si vous êtes à 4. Donc n'hésitez pas à le faire à 4 ou alors en solo, mais pas à 2 ou à 3, ou sinon ça va vous compliquer la tâche. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, je vous laisse mon gameplay entier pour que vous voyez comment j'ai réussi. Donc j'ai fait une seule tentative et j'ai réussi. Donc logiquement, si vous êtes assez fort, ça devrait être un jeu d'enfant pour vous aussi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.
Bruh.